Rompi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moments spirituels, l'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisère, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, en épisode, à Moment spirituel, l'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisère sur Rompi Production Television. À l'émission du jour, Moment spirituel, la sœur Donna Bélisère vous invite à suivre des informations pour vivre en bien meilleure santé. Encore une fois, la congrégation des sœurs rédemptrices de Nazareth a l'opportunité d'entrer chez vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour vous communiquer ses conseils sanitaires. Aussi, par mon humble truchement, elle vous présente ses saluts distingués et vous prie de mettre en pratique tous ses conseils et avis prodigués. Frère Ogloriba est heureux de vous dire bonjour ou bonsoir, dépendant du moment de la journée où vous avez l'opportunité d'écouter cette causerie. Je dois vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une page a été tournée dans l'histoire du peuple haïtien qui a pris naissance en 1804. Les colons esclavagistes, physiquement, ont été battus en cet instant. Mais mentalement, ils se sont repliés, juste pour boucler les chaînes dans la mentalité de ce peuple dont les horizons paraissent grandement ouverts pour un futur absolument gracieux. De 1804 jusqu'à ce jour, ce peuple noir a été vilipendé, non seulement par ses colons invisibles, mais surtout par les apatrides. Aujourd'hui, ces bois d'ébène venant d'Afrique et qui, maintenant dans les Caraïbes, ont été dispersés de par le monde comme des zombies. Et ces zombies ont commencé maintenant une bataille qui, bien sûr, conduira à un monde nouveau pour les Haïtiens. Mais si seulement le peuple haïtien, en terre natale ou d'ailleurs, reste uni, comme nous dit l'inscription qui accompagne la moirie du drapeau, l'union fait la force. Le peuple était uni pour dire non à l'esclavage physique. Et aujourd'hui, le peuple haïtien doit être uni pour dire non à la zombification. Le peuple haïtien doit savoir aujourd'hui qu'il n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais aussi contre les puissances qui se disent amis et qui ne le sont pas dans la réalité, contre les autorités qui sont avides du sang du peuple, contre les princes de ce monde qui sucent
les richesses non seulement d'Haïti, mais aussi des richesses d'autre part du monde, et surtout contre les dieux de ces colons qui sont voilés dans les lieux cosmiques. Nous encourageons le peuple à se revêtir de toutes les armes données par les génies et les dieux ancestraux afin de pouvoir résister dans ces jours mauvais et de rester unis après avoir tout surmonté. Ce passage a été tiré du livre noir et qui a été blanchi par les envahisseurs, établi par des dieux voraces et sanguinaires. Peuple haïtien, prenez donc le destin en main, mais soyez en bonne santé, car avec la santé physique, mentale, vitale, supramentale et surtout collective, vous pouvez réveiller non seulement la vie, mais aussi le divin a été en nous et qui dorme en nous. Chers amis internautes, nous de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, nous voulons que vous soyez en bonne santé. Et c'est pourquoi nous vous parlons de cette maladie subtile qui détruit la race humaine. Depuis la semaine dernière, nous sommes en train de décortiquer ce qu'est la candidose ou l'infection fongale qui fait tant de mal à l'homme, à l'humanité. Il nous faut savoir comment la détecter pour arriver à la vaincre. La semaine écoulée, nous avons parlé de la présence des champignons dans nos corps qui, comme des colons esclavagistes, peuvent dominer rapidement tous les systèmes du corps pour causer une maladie viscérale. Aujourd'hui, nous allons commencer à démontrer comment on peut les combattre. La science médicale fait comprendre qu'on doit aller au siège de la candidose ou infection fongale pour la déraciner de son pouvoir. Comme par exemple l'infection cutanée. L'infection de la peau peut être supprimée par des crèmes ou lotions contenant du nystatin. Les suppositoires peuvent être utilisés pour les infections vaginales et anales. On peut aussi utiliser des liquides dans la bouche et même des losanges. On peut aussi se servir des substances en hydrocortisone pour combattre la gratte causée par cette infection et ainsi diminuer la peine ou douleur qui peut toujours l'accompagner. Il faut aussi laisser la peau dans un état sec pour se faire guérir et pour prévenir le retour de cette infection. Vous devez aussi savoir que cette infection peut être récurrente. Et si c'est là le cas, il faut pencher sur sur la santé immunitaire. Les gens dont le système immunitaire sont pauvres peuvent aussi développer facilement la candidose.
De ce fait, vous devez savoir comment renforcer le système immunitaire. Pour ce faire, l'un des éléments à combattre, c'est la sucrerie. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avions déjà parlé de la sucrerie, de l'amour dont nous avions pour le sucre. Et c'est vrai, nous avions déjà parlé de cela. Mais nous continuerons d'emphatiser sur son élimination de nos diètes. Le constat a été fait que les gens qui souffrent de cette maladie, c'est-à-dire l'infection en fongale ou candidose, sont le plus souvent des gens enclins à l'utilisation du sucre et des carbs. Ces gens-là ont la fringale ou l'envie ou le désir du sucre, et cela au quotidien. Et ce qui est pire, c'est que le sucre est un agent qui tue la santé. La continuité de déguster des carbs et les sucres entraîne à la candidose ou à l'infection fongale. Je dois vous dire que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous devons nous arrêter ici pour ce moment afin de retourner la semaine prochaine pour la continuité de cette causerie. D'ici là, nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine et surtout une bonne santé. Que tout ce dont vous êtes en train de faire puisse être en corrélation avec votre santé et ainsi vous pouvez augmenter votre système immunitaire. Au revoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et à tantôt.